Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droïdes. Et ouais, c'est parti pour Ina. Donc du coup épisode 8, si t'as pas vu les autres, bah ça commence à faire, mais fais-toi plaisir. Les épisodes sont relativement courts, et du coup, c'est rapide à regarder. Donc là, on en était là, après le point de sauvegarde, donc là on a le gros matou. Je pense qu'il va falloir que je passe cela. Voilà. Là j'ai normalement un truc qui va pouvoir me permettre d'activer non plus. S'il me voit, je vais me cramer. Ah merde. Ah ouais, c'était pas drôle ça. D'accord, je comprends. Il faut m'expliquer longtemps. Du coup, il fallait que je prenne le cube. Et ça, j'avais pas fait gaffe. Et du coup, ça va durer des heures. Parce que le temps que Pépère, il se... Ah voilà. Ah, ça va le faire, mais ça va être long. Ah, faut pas que j'explose non plus. On va attendre un petit peu, on va pas prendre de risques. Ça sert à rien, prendre des risques inutilement. J'avais peur, je pensais que je pouvais pas l'envoyer. Hop, là il va tomber. Il faut faire super attention avec le gros matou là. Donc pour info, c'est Shardak. Et il me faut 3 systèmes pour le déverrouiller. C'était dans l'épisode 7. Allez, on y va. Je crois que je peux me cacher derrière. Tout à l'heure, je me suis caché derrière. Ouais, ça le faisait. Là, ça va pas le faire. C'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud. Oh, j'ai eu chaud à mon cul là. Oh, tu l'as vu hein. Ok, parfait. Donc là, je vais le faire grandir et l'éviter. Alors, ouais, mais non. C'est pas comme ça que je voulais. Non. Ah, je crois que je... Non. Voilà, on v'là un. Et on v'là deux. Jamais 203. Cette machine, ça doit être l'un des ces terminaux dont me parlait le phare. Je dois le désactiver. Ouais. Et je vais le désactiver. Voilà, comme ça il va se calmer et il va me foutre la paix. Ce qui met la pression à la musique qui s'arrête, ça fait plaisir aussi. Petit coup de Tarznag là, vite fait. C'est ça, Shardak faibli. Il ne me reste plus qu'à trouver les deux autres terminaux. Par contre, ouais. Du coup, le checkpoint qui fait plaisir, comme ça, ça évite de revenir et de refaire le truc. Et on arrive dans une séance beaucoup, beaucoup plus calme, qui fait plaisir. Donc, Aspire in Astel sur Nintendo Switch, fais-toi plaisir. Donc là, t'as le let's play complet. C'est le fil rouge un peu de, en ce moment. Sur la Gata TV. Ouais, alors là, j'ai ici et là, j'ai là-haut. Ouais. J'aspire pas à grand chose là. Je pense pas qu'il va monter super haut. Ah si quand même. Ah ouais, j'aurais pas pensé, tu vois. Ok. Donc là encore une énigme. Ok. Donc je pense que ça, il faut que je le fasse tomber. Non, je vais pas y arriver comme ça. Parce que là, il va me lever. Ok. Ouais, je crois que j'ai compris le délire.
Ouais, bah c'est pas comme ça que je voulais faire, mais bon, t'as compris quoi. Là, ça veut bien. Il se fout de ma gueule ou quoi? Ah, là, il veut bien. Et là, il m'emmène en haut. Et moi, ça me va. Voilà, on a réussi. C'était pas compliqué, mais faut avoir le bon ordre. Dans Aspire, de toute façon, il n'y a rien qui est compliqué. Donc là, il y a ça. Là, on a ça. Ok. Ok, là, je vois pas du tout. Mais certainement quelque chose à faire. En plus, j'ai déjà un checkpoint là. Non, 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 il faut ouvrir la porte. Ouais. Mais non, ça m'intéresse pas là. Ok. Là, je l'ai pris. Essayer de l'emmener là-haut. Faut que j'arrive à gérer les deux. Lui, faut que je le fasse monter. Et lui, faut que je le fasse déplacer. Et du coup, faut que je gère les deux. Comme ça, là, ça va aller sur l'autre. Et hop. Ouais, non, c'est pas celui-là qu'il me faut. Magnifique. Mais c'est pas comme ça que je le voulais. Ça, c'est après la gemme, je vais la voir après. Ouais, voilà. J'ai compris le topo, mais par contre, j'ai qu'une gemme rose. Moi, pour moi, j'ai un truc à faire là. La synchro, c'est d'abord lui et après l'autre. Voilà. J'aimerais bien récupérer, mais je vais pas pouvoir. Ah, voilà. Là, je monte. Et voilà. Suffisait de demander. Le tout, c'était d'avoir un timing parfait. Et là, je l'insère. Et ça me permet d'ouvrir la porte. Impeccable. Encore une bonne énigme. Et un point de save. Allez, on continue encore un petit peu. Histoire de... Ah, attention, nouvel univers. Qu'est-ce que va donner cet univers? Je me le demande. Oula. À mon avis, il y a le gros matou qui est derrière. Ouais, c'est ça. J'en étais sûr. Sauf que là, ça va se compliquer. Et là, il est pas encore vénère. Donc là, j'ai le truc de déplacement. Je vais le chercher. Je vais lui coller là. On va attendre un peu qu'il se calme. Il lance sa première furie. Là, je l'ai mise. Là, j'ai un petit peu de temps pour moi. Ça, je suis bien couvert. Là, il va se vénérer un peu. Je sens pas là. Là, j'y vais. Allez, hop. Je cours jusqu'à temps d'y arriver. Parfait. Là, je vois pas ce qu'il faut faire, par contre. Ok, il se met tout seul. J'espère qu'il va passer sans me faire chier. Ah, donc là, il faut jouer avec la longueur du cube. Merde, j'avais pas vu ça. Ok, super. On y va tout doux. Oh, c'est chaud là. Ah, c'est bon. Une sauvegarde. Du coup, on va se laisser là pour cet épisode 8 de Aspirina's Tale. On se retrouvera très très rapidement pour l'épisode 9. Il y a du lore qui nous attend, le toutou et Furax. On va voir ce que ça va donner dans le prochain épisode. Allez, salut sur Yatta TV. Bye!
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.